Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Marvelous BGG TV, la BGG TV avec Mehdi aujourd'hui. Donc, petit retour sur les deux techniques précédentes du dossier Franck et BGG. Mais je le dis tout le temps à la fin, mais je remarque qu'en fait, quand je le passe avant, likez, commentez, partagez, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça coûte rien et si vous consommez de la vidéo, au moins abonnez-vous, quoi, c'est gratuit. Donc, mettez sur le dos. Donc, comme on a vu deux dossiers, enfin les deux parties précédentes, on a vu passage de garde en tournant, on a vu genou-poitrine prendre la montée en tournant, genou-poitrine prendre le triangle. Donc là, on peut très bien enchaîner les deux techniques, mais le pied sur les hanches. Donc je pousse ses jambes, j'avance mon pied, boum, j'arrive ici, je vais mettre le genou à côté, boum, je viens prendre ma position montée. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le type d'enchaînement facile qu'on peut faire avec ça. Pareil, je tourne ses jambes, boum, j'arrive ici, mes genoux poitrine sont là et là, je capture le bras, boum, et je viens chercher mon triangle. Ouais. Donc au cas où vous n'y avez pas pensé, bah, vous pouvez enchaîner toutes les techniques comme ça. Donc la suite, ici, toujours en mode tournicotis, tournicota. Donc là, c'est un tour un peu spécial dans la mesure où il vient prendre un peu le grip de ma manche à la volée pour ce qu'on peut faire. Ouais. Et donc, il n'a pas vraiment un grip solide, il vient chercher à la volée rapide, il n'a pas eu le temps de conforter son grip. Je vais venir placer ma jambe tout de suite au niveau de la manche. J'arrache le grip. Je monte doucement. Je peux poser ma main au sol. J'engage ma jambe au niveau de sa hanche. Je viens tourner. Son bras se trouve derrière mes fesses. J'arrache. Je finis en revenant vers lui. Ouais. Deuxième pour aujourd'hui. Crochet de l'arrière. Donc il y a plein de manières d'enlever ce crochet. Hein. Donc ça, c'en est une parmi d'autres, mais elle est dans notre thème. Donc là, en plus, son crochet est vraiment puissant. Il sera à la hanche, pareil, il ferait tourner quasiment de donner le dos, d'accord. Donc là, il a vraiment mon genou parfait pour lui. Je ne vais pas le contrarier comme d'habitude. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que je peux pas en termes de force. Je vais dans le sens où il veut aller. Je vais m'emmener par là, boum. Donc ceux qui connaissent, la tête par là. Ça c'est quelque chose que Bruno Malfacine fait très souvent sur De La Riva, où c'est la jambe tournée. Après on peut enchaîner tout de suite sur mi slide sans aucun problème. Donc c'est encore une fois vraiment technique, je suis là, j'essaie pas de forcer, de revenir face à lui, tourner mon genou, son crochet est trop puissant, je repasse au-dessus de lui, je glisse mon genou, tout slide, et je passe. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je le redis, likez, commentez, partagez, merci, abonnez-vous, entraînez-vous, ouss!